reproduction du Moïse de Michel-Ange, une des belles œuvres du génial artiste. Si vous voulez bien m'accorder un moment, j'aimerais vous dire quelques mots sur l'homme admirable dont Michel-Ange a su si magnifiquement sculpter l'image. Depuis des siècles, les hommes se demandent l'origine de ces deux cornes. Eh bien, dans le texte original du livre de l'Exode, tel qu'il apparaît ici, il est dit que, lorsque Moïse redescendit de la montagne, des kérènes ornaient le sommet de sa tête. Kérène est le mot hébreu pour corne, mais il peut aussi, et de là vient la confusion, vouloir dire rayon de lumière. C'est pourquoi des artistes, comme Doré, ont représenté Moïse la tête ornée de deux rayons de lumière. Voici une photographie de la statue originale qui se trouve à Rome. Remarquez à quel point l'acteur Charlton Heston, qui interprète le rôle de Moïse, ressemble à son modèle. Nous voyons généralement Moïse, soit sous les traits d'un prophète à longue barbe blanche, soit tel qu'il apparaît ici, sur cette toile peinte par Van Dyck, environ 300 ans. C'est un enfant nouveau-né que découvre dans les roseaux la fille de Pharaon. Je vous signale que c'est la première fois que ce tableau de Van Dyck est montré au public. De toutes les histoires qui ont jamais été écrites, la vie de Moïse est sans doute la plus prodigieuse. Elle commence avec le premier chapitre de l'Exode, par l'édit impitoyable du pharaon Ramsès Ier, ordonnant de mettre à mort tous les premiers-nés mâles issus d'Israël. Pour sauver la vie de son enfant, sa mère Yochebed, dont le personnage est interprété par Martha Scott, dépose le bébé dans un panier et le confie aux eaux du Nil. Et le courant, comme s'il obéissait à une main divine, guide le panier jusqu'à la princesse Bithya, la fille de Pharaon, dont le rôle est joué par Nina Foch. La princesse, qui n'a pas d'enfant, adopte celui que le ciel lui a envoyé, et Moïse grandira élevé par ceux-là même qu'il avait condamné à mort. N'est-ce pas là une extraordinaire situation dramatique? Moïse atteint l'âge d'homme et la puissance. Il est prince d'Égypte. Ramsès Ier est mort. Et c'est son fils Séti, dont le rôle est interprété par Sir Cédric Hardwick, qui est maintenant pharaon. Séti a-t-il découvert que ce prince d'Égypte n'était qu'un fils d'esclave? Que fera Moïse lorsqu'il apprendra la vérité sur ses propres origines? Lorsqu'il apprendra que lui, le prince riche et puissant, est encore moins que la poussière qu'écrase les roues du char de Ramsès? De Ramsès, fils de Séti, prince ambitieux et redoutable, qu'interprète magnifiquement Yul Brynner. De qui Ramsès tient-il la vérité sur Moïse? De la princesse royale Néfertari, qui revit devant nous sous les traits d'Anne Baxter? Est-ce Memnet, la vieille nourrice, dont le rôle est interprété par Judith Anderson, qui a livré, après 30 ans de silence, le secret de la naissance de Moïse? Est-ce Baka, le maître d'œuvre? Baka, le cynique, le blasé, qui a percé ce secret? Baka, dont le rôle est interprété par Vincent Price? Moïse fut-il livré par le chef de corvée, traître à son propre peuple, par Dathan, que joue excellemment Edward G. Robinson? C'est fort bien. Je vais conclure un marché avec toi. Si ce que tu me dis en vaut la peine, je te donnerai ton prix, sans discuter. Sinon, j'enfoncerai la pointe de ce glaive dans ta gorge hypocrite, d'accord? Entendu. Toujours est-il que Moïse apprit qu'il était hébreu. Il partagea alors les souffrances de ses frères. La Bible nous dit que Moïse tua l'Égyptien. Mais comment s'enfuit-il d'Égypte? Qui lui donna asile pour le soustraire à l'arrêt de mort de Pharaon? Regarde-les danser. Kohat, commençons. Laquelle des sept filles de Jéthro épousa-t-il? De qui apprit-il le métier de berger? Est-ce de la fille aînée de Jéthro, de Séphora, dont le rôle est interprété par Yvonne de Carlo? Pourquoi Moïse, au péril de sa vie, retourna-t-il en Égypte lorsque le jeune Ramsès fut devenu pharaon? Pourquoi Dieu commanda-t-il à Moïse de frapper de 10 plaies tout le pays d'Égypte?
Si un nouveau fléau vient s'abattre sur ton royaume, ce sera pour te punir que notre Dieu l'aura envoyé. Et une telle plainte s'élèvera alors de l'Égypte tout entière. Tu seras obligé de laisser partir mes frères. Ne reparais plus devant moi, Moïse. Car le jour que tu reverrais mon visage serait pour toi le dernier. Pourquoi le fils de Néfertari fut-il la première victime? Comment la mort des premiers-nés d'Égypte sauva-t-elle les esclaves? Sors du pays d'Égypte, avec ton peuple. Vous êtes libre. Qui organisa l'exode, la plus grande migration que le monde ait jamais connue? Est-ce Josué, interprété par John Derek? Est-ce lui, futur chef militaire du peuple d'Israël? La Bible dit très peu de choses sur la jeunesse de Josué, sur ses espoirs, sur ses amours, ou sur le rôle que joua dans sa vie la jeune esclave Lilia, interprétée par Debra Padgett. Comment Dieu endurcit-il le cœur de Pharaon, au point que ce dernier en vienne à lancer ses 600 chars de guerre sur les traces de Moïse et des enfants d'Israël? Comment les Hébreux furent-ils sauvés, pris entre les chars de Pharaon et les flots de la mer Rouge? L'Égypte manquait-elle de sépulcres que tu nous as emmenés pour mourir au désert? Tout ceci s'est passé il y a 30 siècles. Mais nous livrons encore aujourd'hui la même bataille que livra Moïse. Les hommes sont-ils la propriété d'un État ou des créatures libres? L'histoire de Moïse, telle que la raconte la Bible, est celle d'une vie faite de lutte et de fureur, d'une vie faite d'amour, de bataille, de sacrifice et de meurtre. C'est une vie où se mêlent victoire et désastre, humiliation et gloire. Moïse est l'un des plus grands hommes que la terre ait jamais porté. Il fut humain au point de pécher, et divin au point qu'il lui fut donné de voir Dieu et de recevoir de la main de l'Éternel ce qui permit aux hommes de pouvoir vivre en paix et libre, les 10 commandements.